tu fais les statues, on sait déjà que tu es au goût, tu es dans un gourmet quoi. Avec Doudou, quand on doit marcher, souvent c'est les mains dans les mains. J'ai sorti une relation amoureuse, c'était bizarre. Et la première fois, il m'a mis son statut là, le monde était trop jaloux aussi elle. Pas tous les jours, quoi. Il va trop m'afficher pour que tout le monde m'a savoir que je suis sale. Pourquoi? Je suis père. Partout où je me trouve, ma chérie et ma chérie. Les autres, elles ont qu'à attendre. Chai! Bonjour abonnés de Dispeak, nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro et le sujet de ce jour c'est est-ce que vous pouvez accepter d'afficher votre relation amoureuse dans la vie courante et sur les réseaux sociaux. Nous allons prendre les différents avis et on se retrouve tout à l'heure. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo au maximum et de laisser un petit pouce bleu. A tout de suite. Bonjour. Bonjour madame. Alors, on demande comme ça si vous préférez afficher votre relation ou bien vous préférez la garder discrète. Afficher la relation aussitôt, je pense que ce serait mieux que ce soit juste nos proches qui savent. Ah, ok. Maintenant, au fur et à mesure, s'il y a possibilité, on affiche parce qu'on ne peut pas prendre le risque d'afficher la relation et après, bon, quand ça ne va plus trop, le gourmet est trop. Ah, ouais, mais non, c'est pas si. T'es joli. Parce que vous avez affiché. Ouais, c'est mieux quand c'est caché, bon, pas vraiment caché, mais nos proches le savent, ils savent qu'on est en relation, si ça va pas, ok. On s'arrête là et chacun prend son chemin. Mais si tout le monde sait que ça ne va plus, bon, le gourmet, quand tu fais les statues, on sait déjà que tu es en goût, tu es dans un gourmet, quoi. C'est ça. Donc, par afficher, vous voyez plus les réseaux sociaux, c'est-à-dire vous deux, vous mettez vos photos en PP Facebook ou bien. Qu'est-ce que vous voyez? Par afficher, moi, je vois plus les réseaux sociaux. Voilà, bon. C'est-à-dire quoi, mettre sur Facebook, je suis en couple avec tant. Ouais, c'est ce que je vois en tout cas, c'est ce que je vois. Sinon, avec Doudou, si on se voit, quand on doit marcher, souvent c'est pas les mains dans les mains. Souvent, bon, on sait qu'on est ensemble. Sur les réseaux sociaux, bon, une fois en passant, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Comment chez vous? Ça va un peu, non? Oui, ça va. Alors, on demande si vous êtes pour ou contre le fait d'afficher votre relation amoureuse. Afficher dans le sens où vous postez votre chérie sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes dans un coin, tout le monde va savoir que c'est votre chérie. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Bon, moi, je suis contre un peu. J'ai sorti une relation amoureuse, c'était bizarre. Mais la première fois, il m'a mis son statut là, le monde était trop jaloux aussi, elle. Voilà, donc maintenant, quand mon mousseau, là, la camoufle, tant qu'elle va doter ou bien, parce que au mariage, j'ai personne à la voir, sauf mes parents. À part mes parents, les autres, là, on peut pas la voir, personne. Parce que là, c'est de nos jours maintenant, là, si une mousseau, tu as mis un statut pour moi, tu dis que non, ah, c'est ma chérie qui est là. Force parmi tes amis, il n'y a pas tout le monde qui t'aime. Donc, forcé, il y a un qui a dit que non, ah, go, là, elle est bonne. Mon mère la contacte. Force, demande nous ton mousseau, elle, comme ton frère, ça va savoir. J'ai mis son vieux père, son vieux aussi, son camarade. Donc moi je suis contre. Mon mousseau reste mon mousseau, il a camoufle, elle reste à côté, moi, personne ne sait que mon mousseau. Le dame à la mariée là, ils vont savoir. Sinon pour l'instant là. C'est secret. Voilà. Oulili. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Alors, est-ce que tu es pour ou contre le fait d'afficher ta relation sur les réseaux sociaux, mais dans la vie courante même? Non. Quoi? Rien. Bah, ça me plaît moi-même. Ça te plaît de rester dans la discrétion? Ou bien tu n'as pas un seul gars? Non, c'est pas... T'as quelque chose à cacher ou bien c'est juste la discrétion? Non, c'est juste la discrétion. Ok. Non, parce qu'il y a quelque chose à cacher. C'est juste la discrétion. Mais tu n'as pas peur que tu n'affiches pas, tu n'as pas peur? On sait jamais. Mais...
il va m'afficher, mais pas trop. D'accord. Quelques rafles, il peut même m'apporter un statut, il peut mettre sur Facebook, il peut mettre en story, puis il va enlever. Mais pas tous les jours, quoi. Il va trop m'afficher pour que tout le monde sache que je suis sale. Pourquoi? Je suis père. Et toi-même? Moi, en tout cas, moi, il affiche pas trop. Souvent, il veut le mettre en statut, quelques rafles, comme il aussi le fait. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alors, on demande si vous êtes pour ou contre le fait d'afficher votre relation amoureuse sur les réseaux sociaux ou dans la vie. Bon, pour ma part, je suis pour. Parce que, mine de rien, la relation amoureuse, quand tu aimes quelqu'un, elle ne doit pas être cachée. Elle doit être dévoilée. Parce que quand tu aimes ta chérie, quand tu aimes ta copine, et puis tu aspires au mariage avec elle, je crois que c'est important de vous afficher partout. C'est important de démontrer votre amour partout. Donc de ma part, vraiment, il est important d'afficher sa relation. Ah, ok. Partout, sur les réseaux sociaux, partout où je me trouve, ma chérie. Les autres, elles ont qu'à attendre. Chai. Voilà, celle que j'ai choisie là, c'est elle qui est pour moi. Donc je suis censé faire sa publicité, je suis censé montrer l'amour qu'il y a en moi et puis elle. Donc ça c'est forcé. Donc là, je suis pour. Il n'y a pas de débat même. Il n'y a pas de discours pour ça même. Parce que la Bible même nous dit que l'homme qui verra son père s'attachera à une femme. Et les deux formeront une séchère. Mais vous formez une séchère là comment? Point d'interrogation. C'est lorsque vous êtes affiché, lorsque vous êtes prêt. Voilà. Et puis vous aspirez au mariage, c'est ça. Mm-hmm. Donc là, je suis pour. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es pour ou contre le fait d'afficher ta relation amoureuse? Quand tu es un gars, est-ce que tu publies vos photos sur les réseaux sociaux? Tu fais ça? Non, je ne fais pas. Pourquoi? J'aime pas ça. Pourquoi tu n'aimes pas? Tu veux pas qu'on sache qu'elle est ton chéri? Non. Mais pourquoi? Je sais quoi. Oui. Donc s'il met ta photo en photo de profil, mais s'il met tes photos sur Facebook, tu vas te fâcher? Non, elle va me fâcher. C'est lui qui a mis, c'est pas moi qui ai mis. Mais t'as quelque chose à cacher? Non, il n'y a rien à cacher, c'est juste que j'aime pas ça. Oh, 6 000 siens. Est-ce que tu sais? Merci beaucoup. Ouais, de rien. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait d'afficher votre relation amoureuse sur les réseaux sociaux ou bien dans la vie, comme ça? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Bon, dans la vie, oui, mais d'abord, je suis contre. Je ne veux pas afficher mon morceau sur les réseaux sociaux. Parce pourquoi? Parce que moi-même, j'aime pas trop m'afficher, j'aime pas trop le match de vie. Donc, le fait même d'afficher mon morceau même sur les réseaux sociaux, même, ça me gêne d'abord moi-même. Et puis, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses maintenant qui se passent. Hein. On constate beaucoup de choses maintenant. Donc, moi, je suis contre même. Voilà. Moi, il ne peut pas afficher. Si c'est dehors, ok, on peut marcher ensemble. Je suis avec mon monsieur, ok. Voilà. Parce que la femme même aime quand tu lui fais des trucs. Je ne sais pas comment il dit ça, mais... Quand tu l'affiches. Mm-hmm. Mais là, ce n'est pas pour cela que tu vas l'afficher partout sur les réseaux sociaux. Elle reste ta femme. Tu dois la garder. Secrète. Ouais, secrète. Ah bon? Tu trouves, hein? Secrète. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.